Hey, sergent, on va rester ici combien de temps? Jusqu'à ce que ta saleté de musique nous fasse repérer. Messieurs, nous allons prendre part à une offensive audacieuse contre l'ennemi. Ce sera soit la victoire, soit une mort glorieuse. Alors, on a le choix, c'est ça? Un peu de respect pour le lieutenant. C'est qui, celui-là? Le soldat Leslie Baron. Mais les présentations attendront. Les Allemands se sont retranchés sur la crête. Mes amis, nous allons la leur reprendre. Très bien, vous avez entendu le lieutenant? Exécution! Cole, prends cette calibre 50! Peterson, les munitions! Et coupez-moi cette foutue radio! Cette musique n'est pas réglementaire! Il passe par le mur! Bon travail! Et nos blindés sont toujours coincés par les Boches. Faut que nos gars puissent avancer. Allez! Reculez! À couvert! Charge posée! Ça va sauter! Rappelez jusqu'au sommet! Protégez nos blindés! Cole! Nous devons sécuriser les deux passages menant. Sauter les axes de sol! L'infanterie! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'habitude que l'ennemi riposte? Sors encore une grenade! Thank you.
Abritez-vous à côté de ce canon anti-aérien! Cole, brouille-toi! Lieutenant! Lieutenant! Ah, Baron, vous nous avez manqué. Alors, cette sieste? Mais... mon lieutenant, je m'occupais de la radio. Vous auriez dû avoir une arme entre les mains. Le bataillon nous a contactés. Les Boches ont établi un poste de commandement dans un complexe industriel près d'ici. Bon, alors, c'est là qu'on va attendre la contre-attaque des Boches. La nuit ne sera pas synonyme de repos pour eux. Pour vous non plus, d'ailleurs, Baron. Très bien. En piste! Recule!
Nettoyez ces bâtiments! Des Allemands à l'étage! Des troupes allemandes! Bon travail, les gars. Sergent Callard, sécurisez les entrées. Bien, mon lieutenant. Cole, avec moi. Il y a 4 entrées. On en bloque 3. Les Fritz vont être forcés de passer là où on veut qu'ils aillent. Les bosses sont intérêts à essayer de faire passer leur place par là.
capturer un tir de suppression. Je me fais tirer dessus. Assurez un tir de suppression. On est en tir dessus. On n'a pas l'habitude de les tirer. J'envoie une grenade. Cole.
Les Canadiens continuent à progresser vers le sud sur la route de falaise, contraignant les Allemands à se replier vers la ville. Tandis que la première division blindée polonaise protège le flanc ouest des forces canadiennes. Travaillant de concert, les quatre régiments repoussent l'ennemi qui se retrouve acculé. Les Allemands sont pris au piège entre les Américains au sud et les armées britanniques, canadiennes et polonaises au nord. Pour que ça fonctionne, la coordination doit être parfaite. Comme pour un ballet. Mais les soldats ne sont pas des danseurs. On devrait peut-être pas attendre. On devrait affronter Richter et ses chars. On est tout prêt. Trop dangereux. Richter a l'avantage. En blindés et en munitions. Alors on coupe les ravitaillements de Richter. Pour ça, on compte sur les Anglais. Ha! Très bien. La Roche, Doyle et le caporal Keyes vont neutraliser les défenses extérieures et ouvrir le portail principal. Doyle, Keyes et moi allons neutraliser les défenses extérieures et ouvrir le portail principal. Une fois le portail ouvert, on pénétrera à l'intérieur. Une fois le portail ouvert, on pénétrera à l'intérieur. Le deuxième groupe sécurisera l'entrée pendant que le premier détruira tout ce qui peut être utile aux Fritz. Le deuxième groupe sécurisera l'entrée pendant que le premier détruira tout ce qui peut être utile aux Fritz. Keyes, vous avez intérêt à éliminer ces foutues sentinelles le plus vite possible. Avec plaisir. Faites gaffe à vous avec ces bouffeurs de grenouilles. Va te faire voir, pauvre Osbif. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi aussi. Allez, en route !